tamas noir et fourmis rouges, dans le tamas noir n'y voit que du bleu. Je suis un tamas noir et j'ai une fin de loup. Vous savez pourquoi? Depuis que la chasse est ouverte, je rentre bredouille. Ah ah! Ce coup-là, c'est dans la poche. Non, c'est dans le lac. Je ne suis qu'un vieux tas maladroit. Faut que je me modernise. Je vais me fabriquer un moulifourmex. En suivant le mode d'emploi, ça n'a rien de compliqué. Voilà. Voyons si ce matin marche. Je suis à ton service, maître. Quel est ton problème, maître? Je rêve de fourmis. D'une fourmi ou chambertin? Vais le chambertin, attrape-moi une fourmi. Oh, maître, vous avez déjà vu une machine attraper des fourmis? Pourquoi pas? Où est-elle? Vite, dites-moi. Droit devant, maître. 1 kilomètre. Vous ne pouvez pas la manquer. Tu parles, surtout avec mon expérience. Tiens, Tieuve, le gargantua qui fait son marché. Ah, ah. Il ne reste plus qu'à mettre mon nez dans ses affaires. Je prends une petite inhalation. Et instantanément, le déjeuner est servi. Salut, Vénus. Je ne fais que penser. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie moderne. Oui, maître, ça va comme vous voulez, pas tellement, hein? Pas tellement, non. J'ai les pieds brûlants, le cœur qui bat, une bigade terrible, mais pas de fourmis. Je réfléchis, maître, si on essayait ça, la bombe fourmicide. C'est l'œuvre de Christophe Colomb. Merci. Une bonne petite oniflette et je passe à table. Ah ah, voilà poêle de carottes. Bon sang, il a dû avaler une fourmi de travers. Si je peux me permettre un conseil, ce qu'il vous faut mettre, c'est du sable mouvant. Bravo, je mets le mouvant en mouvement. Une pincée de mouvant avec une cerise dessus et je vais me manger un sablé de fourmi. Regardez ça! Je me ferai enterrer pour une cerise. Ah, ah. Ça a marché ce coup-là. Je dirais encore bien ce que je pense, mais ce serait encore censuré. J'avais ras-le-bol d'écouter cette machine ridicule. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous voyez, j'ai comme le pressentiment que la famille me prépare encore un truc. Oh, oh. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Je dirais que deux mots. Bravo! Ça, ils vont le faire. La dame et les fourmis devraient faire la paire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est parti, mon fourmi. Alors, maître, quel est le bilan? Débilitant. C'est la fin des haricots. Et j'ai compris, t'es un ordinateur empoisonneur. Qui a dit que j'étais un ordinateur? Je suis un distributeur automatique de toast et je vous salue bien. Si vous voyez le beurre, dites-lui que je suis là.